Hey, salut tout le monde, c'est Eric de Jouer Solo et aujourd'hui on commence notre aventure dans Four Against Darkness. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle je présente notre groupe d'aventuriers, allez voir ça pour comprendre quel aventurier on a, qu'est-ce qu'il porte comme arme, quelles sont les décisions qu'on doit faire avant de se plonger dans une partie de Four Against Darkness. Sinon, continuez la vidéo et nous poursuivons maintenant dans le début du donjon, donc dans la pièce d'entrée. Et donc, évidemment, comme j'avais fait avec D100 Dungeon, nous allons... je vais essayer de vous montrer comment fonctionne le jeu. Je vais essayer de vous montrer aussi de manière organique comment est-ce que ça se déroule, passer d'une page à l'autre, etc. sans faire trop de montage pour que vous puissiez vraiment avoir un aperçu du jeu en tant que tel et de ses implications en termes de temps et en termes surtout de plaisir. Et donc, on y va. Première chose qu'il faut faire lorsqu'on commence notre donjon, il faut rouler un D6 pour déterminer quelle sera la pièce d'entrée. On roule un D6 et on a 4. Donc, on voit ici ce qu'on a comme pièce d'entrée. Donc, je vais aller dessiner la pièce d'entrée et je vous reviens dans deux petites secondes lorsque ce sera sur la carte et qu'on puisse commencer notre aventure. Et voilà, donc on a dessiné notre pièce et essentiellement ce qu'on a c'est une espèce de Y dans lequel justement on va pouvoir avancer et là il faut qu'on choisisse par où est-ce qu'on passe, est-ce qu'on va vers la gauche ou vers la droite. Et moi je vais choisir d'aller vers la gauche. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Bien, je vais vous montrer à la fin du livre, il y a un flowchart hyper intéressant qu'on va se servir ici dans la vidéo pour essayer de faire en sorte que vous vous habituez à son utilisation puis un peu au rythme du jeu, au flow du jeu. Et donc qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois on va rouler un D66. Un D66 dans ce jeu, ce que ça veut dire c'est rouler deux D6. Notre D rouge va constituer les dizaines et notre D jaune les unités. Et à partir de là, ça va nous générer une pièce. Une fois qu'on va avoir écrit la pièce, donc qu'on va avoir dessiné la pièce, on va rouler 2d6 pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce-là. Mais juste avant, j'ai oublié de vous parler de notre ordre de marche, parce que là, on s'aventure dans le donjon et c'est important d'avoir un ordre de marche dans ce jeu-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va se promener dans des corridors, il va falloir qu'on détermine qui sont les deux personnes à l'avant du corridor. Ces deux personnes-là vont se battre contre les monstres qu'on va rencontrer dans justement ces D6-là qu'on va rouler. Par contre, si on se fait prendre par surprise, c'est les gens derrière qui vont se faire attaquer. Donc, c'est important de bien placer ces aventuriers. Et nous, ce qu'on a décidé de faire à l'avant, on a mis notre nain avec le numéro 1. On a mis ensuite Vaya comme numéro 2. Donc, on a vraiment le nain et notre warrior. Ensuite, à l'arrière, on a l'elfe avec le numéro 3 et le cleric avec le numéro 4 qui, je vous rappelle, qui est le porteur de la torche. Donc, on y va. Il faut rouler un D66 et ensuite, on va rouler 2D6 sur la Room Content Table. Et donc, on roule notre D66. Je vous rappelle, dizaine. Donc, on a 34. Donc là, c'est assez simple. On s'en vient ici et on voit 34, qu'est-ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre quand même deux petites secondes pour vous expliquer la différence entre les deux types de pièces. Les corridors sont formés de pièces qui ont seulement un carré de largeur. À partir du moment où il y a plus d'un carré de largeur, comme c'est le cas ici, qu'est-ce qui se passe? On a ici vraiment là, une room, donc une pièce plutôt qu'un corridor. C'est très important parce que vous allez voir après ça dans les règles comment est-ce que les pièces et les corridors ont sur les deux D6 qu'on va rouler des trucs différents qui peuvent arriver. Donc on y va, on a une porte, on va rentrer à travers une porte et ensuite nous allons pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans cette pièce-là. Je la dessine à l'instant. Donc voilà, c'est fait, on a dessiné notre porte. Maintenant, il y a une règle optionnelle pour les portes. Je vais essayer de vous la trouver juste ici très rapidement. Donc la règle optionnelle pour les portes est la suivante. On peut rouler un D6 pour savoir si les portes sont barrées. À partir du moment où on va faire ça, si on roule un 1 et un 2, la porte est barrée. Et là, il y a plusieurs façons d'ouvrir une porte barrée. C'est soit qu'on la démolisse avec de la magie ou avec de la force, ou qu'on utilise notre rogue pour essayer de l'ouvrir avec ses outils.
on n'a pas de rogue, donc nous, vraiment, la seule manière qu'on pourrait le faire, ce serait vraiment en utilisant bashing a door open. L'affaire, c'est qu'en faisant cela, on peut s'attirer des monstres. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? On va le faire, on va jouer avec la règle optionnelle des portes. Donc, on va rouler pour notre première porte juste ici. 1 des 6, donc 1 et 2, la porte est barrée. On a un 6, la porte n'est pas barrée, on entre dans la pièce. On va tout de suite quand même rouler pour notre porte juste à l'avant pour savoir si elle est barrée. Comme ça, si jamais il y a des monstres qui se retrouvent ici et qu'on veut fuir, on ne pourra pas fuir de ce côté-là parce que la porte va être barrée, mais on va pouvoir fuir de ce côté-ci au sud parce que la porte est débarrée et ça prend absolument une porte sur notre chemin pour pouvoir fuir un monstre. Donc on y va, la porte ici. 5, ok, il n'y a pas de porte barrée. S'il y en avait eu une, on aurait marqué la porte d'un L. Donc voilà, on a notre première pièce. Et là, il faut rouler 2d6 sur le content table. Et donc, on roule et on additionne les dés. 5, 6, 7, 8. 8, if corridor empty, otherwise, roll on minions table. Et là, c'est très important. Il existe deux sortes de monstres, deux catégories de monstres, et chacune des catégories a deux types. Donc, les deux catégories sont les minions. Si on s'en vient juste ici, ce sera pas bien là, je vais vous montrer ça. Les minions table. Et donc, on a les minions et les vermin. Ces deux-là, ce sont comme des petites créatures qu'on croise comme cela en se promenant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si on tue des minions, après en avoir tué un certain nombre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va pouvoir rouler un jet d'expérience, ce qui va nous permettre de monter de niveau. Par contre, les vermines ne comptent pas dans cette expérience-là parce que c'est de la vermine, c'est pas difficile à tuer. Maintenant, les boss, il existe deux types de boss. Il y a les boss, qu'on appelle vraiment boss, et il y a aussi les weird monsters. Là, je vais maintenant vous parler du but de notre quête. Quand on fait une quête comme cela, random, on appelle ça une quête random dans ce jeu-là, le but, c'est de battre le boss final. Le boss final, c'est quoi? C'est qu'il va falloir rouler sur la table des boss un petit dragon, essentiellement un 6 et plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lorsqu'on roule un 6 ou mieux, on va trouver un boss dans cette pièce-là et ce sera en gros notre dernier encounter, notre dernière bataille. À chaque fois qu'on va rencontrer un boss ou un weird monster, on va ajouter un petit point ici qui va nous ajouter des plus 1 pour chaque point, donc plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, pour faire qu'éventuellement on avance et qu'on arrive justement à se battre contre un boss. Mais ça se pourrait que dès la première rencontre, on trouve la salle où il y a le boss. Et là, on peut fuir et là, éventuellement, vous comprenez un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut fuir, aller faire le contourner et poursuivre de cette façon-là. Donc, on y va. Là, il fallait rouler sur la minion table. Donc, on a la minion table juste ici. Toutes les tables sont à l'arrière du livre, en petit. Je vais utiliser les grandes tables parce qu'ici, vous allez risquer d'avoir de la difficulté à lire. Un des problèmes, moi, que je trouve, puis j'en avais parlé dans mon ouverture ludique, critique plutôt, c'est les tables, c'est bien qu'on les ait référencées à la fin du livre. Par contre, j'aurais aimé qu'elles soient en ordre alphabétique. Et c'est pas le cas. Donc, évidemment, lorsqu'on joue seul à la maison, c'est vraiment pas un problème. Puis on finit quand même rapidement à savoir où tout est. Mais lorsqu'on fait une vidéo comme je suis en train de vous faire, ça peut être un peu plus laborieux là, de trouver facilement les tables avec toute l'espèce de mini-stress de faire la vidéo, de pas se tromper, de bien avoir chacun... Chacun des règlements. Donc voilà. Maintenant, on est prêt à rouler sur notre table des minions. J'essayais juste de vous montrer un peu comment fonctionne le fait de leveler, donc de monter de niveau. J'essaie de trouver rapidement l'endroit où on en parle. Ce sera pas bien long. Donc, c'est juste ici. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Et de la façon qu'on va faire pour monter de niveau, c'est qu'on va rouler un D6 sur un 1. Et c'est très important dans ce jeu-là.
1 veut toujours dire échec. Toujours, toujours, toujours. Et 6, lorsqu'on est en combat, ça va être un dé qui explose. C'est-à-dire que si on roule un 6, on va rouler un autre dé. Si on roule un 6, on roule un autre dé et ainsi de suite. Donc, c'est possible de faire vraiment une méga attaque. Une attaque très, 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 très forte. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici l'experience summary. XP roll every time you defeat a boss or 10 minion encounters. Donc, on y va. Minion table, 1d6. 4. Donc, je vais le laisser ici. 4. On a d6 plus 1 orc. Les orcs vont être de niveau 4. Ils vont donner un trésor normal. Maintenant, ça dit que les orcs ont peur de la magie et doivent donc tester leur morale à chaque fois qu'un ou plus est mort. Et là, c'est très important. Le moral, en gros, c'est essentiellement qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler un D6 et dépendamment du jet de dés, soit que les monstres vont fuir ou vont décider de rester dans le combat. Donc, si je vous montre ça juste ici en 2 secondes, c'est un petit peu plus loin. Donc, voilà. Juste ici, on a « When a group of minions loses more than half of its initial number, the remaining minions must make a roll. » On roule un D6. Si on a 3 au moins, les monstres fuient. Par contre, on va quand même faire, on va quand même obtenir les trésors. Si on roule 4 au mieux, à ce moment-là, ils vont continuer à se battre et on va pouvoir continuer à se battre contre eux. Donc, évidemment, ici, ben, si on utilise la magie, dans ce cas-là, on va pouvoir, ils vont y avoir des tests de morale à chacune des attaques. Donc, si c'est une attaque par magie, ce qui ne sera pas le cas parce qu'on va garder, nous, notre Lightning Bolt pour le boss final. Donc ici, on parle encore du spell, ça va. They never have magic items in their treasure. Donc, il n'y a jamais d'items magiques dans leur trésor. Et donc, n'importe quel roulé de magie, on doit le prendre pour un 6, 1d6 fois 1d6 de pièces d'or à la place. Et les elfes attaquent et font des sorts à plus 1 contre les orques. Donc, on se souvient, dans la première vidéo, je vous parlais que c'était un de nos pouvoirs en tant qu'elfe. Maintenant, regardez bien ça ici, c'est la reaction. La reaction, c'est quoi? C'est en gros, lorsqu'on arrive dans la pièce, on surprend les orques. Okay? Et là, on a un choix à faire. Et là, dépendamment du choix, on a deux choix. En fait, on a attaquer ou attendre leur réaction. Si on attaque, on passe au combat directement et voilà, je vais vous montrer comment le combat fonctionne. Par contre, on pourrait décider d'essayer une de ces manœuvres-là. C'est-à-dire qu'on va rouler un D6 et on va voir. Sur 1 et 2, ils vont nous demander de les briber, donc de leur payer une prime pour pouvoir passer à travers la pièce. Ça coûte 10 pièces d'or par orque. Okay? On n'a pas cet argent-là, c'est impossible. De 3 à 5, il faut se battre et à 6, il faut se battre jusqu'à leur mort. Ce qui veut dire, en gros, que, ben voilà, à 6, ils ne peuvent pas s'enfuir, même si, si leur morale est affectée par la magie, etc. Donc, on y va. 1d6 plus 1 orc. On roule notre dé et on a 3 plus 1. Donc, on a 4 orcs. Ça va? Et moi, ce que j'aime faire ici, dans ces temps-là, c'est que je me prends un carré comme celui-là, juste ici, qui servira sans doute à rien. Parce que dans ce jeu-là, lorsqu'on cartographie une pièce, on peut toujours changer son orientation. J'écris « orc » et là, on a nos 4 orcs juste comme ça. 1, 2, 3, 4. Et on sait qu'ils sont de niveau 4. Ça risque d'être un combat assez difficile, des orcs de niveau 4. Et là, dans le jeu, vraiment, c'est important de savoir quand est-ce qu'on fuit, quand est-ce qu'on ne fuit pas, quand on attend donc... quand est-ce qu'on choisit de fuir pour essayer de se refaire des forces et revenir. C'est pas un jeu nécessairement dans lequel on peut juste rentrer guns blazing, comme on dit en anglais, et juste assassiner tout ce qu'il y a sur notre passage. Donc, maintenant que ça c'est fait, on est prêt à passer au
combat, parce que je ne crois pas qu'on va essayer à ce moment-ci de les briber. On n'a pas l'argent de toute façon, donc on n'a pas le choix de passer à la phase combat. Maintenant, dans la phase combat, on a le choix. On pourrait décider de fuir immédiatement, donc pour s'assurer de ne pas avoir de dégâts. Par contre, lorsqu'on fuit, les orques vont attaquer et on va pouvoir défendre avec un plus 1 sur nos dés. Mais encore une fois, on est là pour expérimenter le jeu, donc je pense que ce premier encounter-là, qui va être quand même difficile à 4, on va essayer de le faire, on va essayer d'aller le plus loin possible. Donc, on a chacun de nos personnages. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on les prend par surprise. Or, chacun de nos personnages va agir avant les orques. Le jeu est très simple, c'est un test en opposition, les orques sont de niveau 4, et donc, pour pouvoir les attaquer, il faut réussir un roulé de 4 et plus. Par contre, il y a une petite différence. Et là, il y en a par contre qui font le choix de ne pas, pour simplifier le jeu, qui font le choix de ne pas prendre cette différence-là. Mais c'est une règle dans le jeu de base. Il faut, pour attaquer, il faut donc accoter et faire plus que le niveau. Par contre, pour défendre, il faut absolument rouler plus que le niveau des monstres. Ça va? Donc, voilà. Il faut rouler au-dessus. On a 4 orques, et donc, dans ce cas-ci, ça va être impossible de tuer plus d'un orque. Je vous explique la règle pour tuer plus d'une créature à la fois. En gros, il faut excéder le niveau, par exemple, du double, du triple, etc. Donc, par exemple, pour tuer 2 orques, il faudrait faire 8 de dégâts. À 9 de dégâts, on tue seulement 2 orques, etc. Donc, on commence. On a notre fameux Alden qui va prendre son Warhammer, donc son marteau de guerre, et qui va essayer de frapper le premier orque. Et donc, on roule 1 des 6, et dans ce cas-ci, on va rouler 1 des 6 plus 1, plus notre niveau qui est de 1, ce qui va dire 1 des 6 plus 2. On y va. Il faut avoir au moins 4, donc 2. Aïe, 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 c'est un 1, c'est un échec. Peu importe, même si ça avait été des créatures de niveau 2, on aurait eu un échec. Donc, notre nain qui est encore un peu... Il est pas encore réchauffé, là. C'est le début du donjon. Essaye de frapper. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. On va passer à notre elfe maintenant, qui, je vous rappelle, a un plus 1 pour attaquer les monstres. Donc, les orques plutôt. Donc, niveau plus 1 parce que c'est des orques. Donc, elle aussi, 1 des 6 plus 2. 6! Aha! Et là, regardez comment c'est cool. C'est 6 plus 2, mais le plus 2, on va juste le mettre à la fin. Donc, on a 6. On roule le dé à nouveau parce que c'est un dé qui explose. 6 encore! Je ne sais pas si vous l'aviez vu, là, mais voilà. 6 encore. On est rendu à 12 points de dégâts et on roule encore à nouveau. 3. Donc, on est à 6, 12, 16, plus 2, 18 points de dégâts. Donc, ça fait 4... 8, 12 et 16. D'un seul coup, ben en fait, on s'entend que c'est pas d'un coup, mais notre elfe Kalehan qui est prêt pour l'aventure, digne d'un elfe. Hein? Les elfes sont toujours prêts, sont toujours focus sur ce qui se passe, alors que le nain, lui, est en train de calculer encore une fois sa bourse en rentrant pour être sûr qu'il est le plus riche du groupe. Et là, Kalehan, qui est focus, nous fait une manœuvre incroyable et d'une seule botte, arrive à éliminer chacun des personnages. Et donc voilà, on a Kalehan ici qui, grâce à son épée, arrive à tuer chacun des personnages. C'est pas son épée, je vous rappelle, Kalehan porte une lance. Et d'ailleurs, à partir de là, ça va être important que je déclare quelle arme est-ce que Kalehan va prendre. Lorsque je commence les donjons, je leur fais toujours garder leur arme de mêlée, merci, j'ai eu de la difficulté. Donc, leur arme de mêlée. Et donc, comme ça, Kalehan est passé à travers vraiment là, 4 orques. Hein, parce qu'on a roulé 6, 12, 13, 14, 15,
Ah, on a roulé 15, 16, 17, mais ça nous prenait 16 parce que 4, 8, 16. Donc, on est correct. Elle a tué toutes les orques. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir mettre comme ça ici un petit point noir sur notre aventure pour enregistrer le fait que nous avons tué un minion, hein? Donc un groupe de minions. Donc voilà. Il faut donc maintenant rouler pour savoir quel sera notre trésor pour ce encounter-là. Donc je vous rappelle que dans ce cas-ci, les minions nous juste ici ne peuvent pas nous donner d'objets magiques. Donc on arrive ici sur la treasure table qu'on a juste ici. On va rouler un des 6. 5. Donc one item of jewelry worth 3d6 x 10 pièces d'or. Donc excellent. Jewelry, donc 3d6 x 10 pièces d'or. On y va. Donc on a 5, 10, 14. 14 x 10, on est à 140 pièces d'or. Donc ça, on va le donner éventuellement, évidemment, là, on va le donner à tout le monde. Mais comme ici, on a un nain qui s'intéresse beaucoup à cela, on va écrire jewelry. 140 pièces d'or. Comme cela, juste ici. Et voilà, et comme ça, on a terminé ce premier encounter-là. Maintenant, on va vouloir voir qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut avancer, revenir sur nos pas, etc. Donc là, un des trucs qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple, chercher la pièce. Et je vous montre juste ici. Empty Room Search Table. Donc, si on roule 1, il va y avoir un Wandering Monster Attack. Si on roule 2 à 4, la pièce est vide. Et si on roule 5 ou 6, on a le choix entre trouver un clou, donc une preuve, une pièce d'évidence, etc. Une porte secrète ou bien de trouver un trésor caché. Ce qui est intéressant des clous, c'est que si vous regardez ici, lorsqu'on a obtenu 3 clous, on est capable de faire essayer de monter de niveau un de nos personnages. Donc, comme on est au début de l'aventure, qu'on n'est pas tellement intéressé par l'art, mais plus par la survie du groupe, je pense qu'on va y aller pour... On va essayer de chercher la pièce en espérant ne pas rouler un 1, et on va essayer de rouler un 5-6 pour aller chercher un clou. Donc, je roule... 1! Donc voilà, qu'est-ce qu'il fallait pas qu'il arrive? Et donc, comme on a roulé un 1, on a un Wandering Monster. Maintenant, les Wandering Monsters... vous pouvez les voir, c'est juste ici. Si on roule à 1, à 2, on roule sur la vermine. 3, 4, on roule sur les minions. On a Weird Monster Table, on roule un 5, 6. Roll on the Boss Monster Table, puis on reroll si c'est un dragon. Donc on roule 1. Donc vermine, ça devrait être assez facile à s'occuper. Je vais juste me mettre un petit marque-page ici parce que j'ai cherché la page juste avant. Donc voilà. Donc on est là, vermine, donc de vermine, on roule 1d6 pour savoir quelle vermine ça va être. 4, donc des giant centipedes, donc des 1000 pattes géants. On roule 1d6 pour savoir combien il y en a. Il va y en avoir 5 1000 pattes géants. Ce sont des niveaux 3. Donc allons-y, on va mettre ça juste ici je pense. Donc on a 5 carreaux juste ici, comme ça. Et là, je vais écrire Centipedes, niveau 3. Parfait. Et là, qu'est-ce que ça nous dit sur les Centipedes? Any character wounded by a giant centipede must save versus level 2 poison or lose one additional life. Donc là, encore une fois, il va falloir rouler mieux que 2, 2 et mieux, pour pouvoir s'assurer de ne pas être empoisonné par les centipèdes géants. Et leur réaction, c'est... on roule un D6, c'est 1, ils le quittent. 2 à 3, ils quittent s'ils sont outnumbered, donc si on est plus qu'eux. Et 4 à 6, ils vont nous attaquer. Donc voilà.
on commence notre attaque. En fait, c'est eux qui commencent parce que comme c'est des Wandering Monsters, ils nous prennent par surprise. Et c'est là que je vous dis que si on avait eu l'arc en main, on aurait pu les attaquer même avant qu'eux nous attaquent. Mais bon, on l'a pas. Donc, ils vont nous attaquer. Et de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va attribuer chacun des centipèdes à un personnage différent. Donc, par exemple, le premier va attaquer Alden, le deuxième Kalyan, le troisième Vaya et le quatrième Bronn. Mais ensuite, il en reste deux, donc il va falloir réattribuer ces deux-là à d'autres personnages. Donc, on commence le premier qui attaque Alden. Ce sont des niveaux 3. De la façon que ça fonctionne pour une attaque de monstre, en fait, on roule pas l'attaque, on roule la défense de notre personnage. Et donc, ici, Alden, j'ai complètement oublié d'écrire sa défense qui est de plus 2 juste là. Il va rouler un dé et il doit rouler 4, 5 ou 6. Sinon, il va prendre un dégât. Donc, on roule. Aïe, aïe, aïe. Il roule 1. Malheureusement, il va perdre un point de vie. Et là, il faut qu'il fasse un roulé contre 2 pour déterminer s'il se fait empoisonner ou non. Et donc, il roule. 6, il est correct, il ne se fait pas empoisonner, il prend pas un dégât de plus. Maintenant, Kalyan, on y va. Il a plus 1 en défense. 4, 5, Kalyan bloque l'attaque. Vaya, 5, bloque l'attaque. Bronn, 5, bloque l'attaque. Il nous reste encore un centipède. On va y aller pour une attaque contre Vaya. Donc, 3 plus 2, on est à 5. Vaya est saine et sauve. C'est maintenant à nous d'attaquer. Alden, avec encore une fois sa masse, son marteau de guerre, attaque. Il fait 3 plus 2, on est à 5. Malheureusement, c'est pas assez pour en prendre 2. Si on avait eu 6, comme je disais plus tôt, on aurait pu en tuer 2 d'un coup. Mais ce n'est pas assez. Donc, on a roulé 5. Kalyan, l'elfe, avec sa lance, roule. 4 plus 1, 5. Elle est capable, encore une fois, d'en attaquer 1. Et là, vous voyez, on arrive au moment où si on arrive à en tuer un autre, la moitié du groupe va avoir péri et donc ils vont faire un moral check. Donc, on y va. 4 pour... on était rendu à Vaya. 5, 6. Donc, Vaya arrive à en tuer 2. Donc, Vaya arrive à en tuer 2. Et donc, Bronn, il lui reste seulement 1 à tuer. On roule un 5 plus 2, on est à 7. Et donc, les centipèdes ne pourront même pas fuir. Maintenant, c'est de la vermine. Et comme la vermine, comme on le dit juste ici, je peux vous le montrer, c'est une sous-classe de minions. Ça ne donne pas d'XP. Et on ne va pas non plus rouler à savoir est-ce qu'ils ont des trésors ou non, parce que ce sont des créatures qui, évidemment, ne traînent pas de trésors sur eux. Et là, comme on a fait une recherche, on va inscrire un S juste comme ça dans la pièce pour dire « Cette pièce-là a été cherchée, on ne peut plus la chercher ». Et voilà, vous avez compris un peu l'idée de Four Against Darkness, mais on va poursuivre parce que le but de la vidéo, c'est de vous montrer vraiment le plus de scénarios possible. Et on continue maintenant sur notre flowchart. Si on allait voir la flowchart juste ici, on est rendu à rouler un D66, ensuite on va rouler 2D6 et ainsi de suite. On roule notre D66, on a 45. Donc, 45, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ici un corridor. Donc, je dessine le corridor et je vous reviens. Et voilà, donc le corridor a été dessiné. Maintenant, comme on entre dans un corridor, ce que je vais faire avant qu'il y ait un combat ou quoi que ce soit, c'est que je vais équiper mon elfe avec son arc. Donc, l'elfe porte maintenant son arc, ce qui va faire en sorte essentiellement que voilà, on va pouvoir s'assurer que si jamais on rencontre des gens devant nous, on va pouvoir les attaquer. Là, il y a un petit truc que j'ai complètement oublié ici, c'est que Bronn possède un bouclier et un
Et lorsque Bronn tient la torche, malheureusement, il ne peut pas utiliser son bouclier. Mais si je me rappelle bien, Bronn avait roulé une défense de 5, donc il était amplement suffisant pour pouvoir passer à travers cette attaque-là. Donc il aurait eu seulement un plus 1. Désolé pour ça. On est là. On s'en vient donc à la Room Content Table. On roule 2d6. On a donc 5. 3 plus 2, on a 5. Empty roll in the special feature table. Donc, il n'y a rien dans ce corridor-là, mais il va peut-être y avoir un special feature table. Donnez-moi 2 secondes. Là, le seul problème en temps normal, c'est que ça, c'est des room content. Il faut toujours rouler. Mais là, on va aller voir notre flowchart pour être sûr. On a roulé 5. Et donc, regardez ce que ça nous dit ici. On a roulé 5. Empty, roll d6 on special table. Et on peut rechercher parce qu'on est dans un corridor. Donc, des fois, il y a des petits trucs comme ça qui sont pas tellement clairs. Parce que des fois, on utilise le terme de corridor, mais des fois, on l'utilise pas. Mais donc, ici, ça nous dit qu'on l'a. Et donc, voilà, on va rouler notre special feature table. On a roulé un 6. Donc, avec ce 6, on nous dit qu'il y a un puzzle room. The room contains a puzzle box. Donc, il y a un petit puzzle, une boîte avec un puzzle, et qui est de niveau 6. On peut le laisser ou on peut essayer de le résoudre. Pour chaque tentative qu'on échoue, le personnage va perdre un de vie. Les wizards, donc les sorciers et les rogues, ajoutent leur niveau à leur roulée. Et si le puzzle est réussi, on va pouvoir faire un treasure roll pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une boîte juste comme ça. Je vais écrire P6 pour dire puzzle de niveau 6. Et attendez, its level is D6. Ah, attendez, on a un level de D6. Donc j'ai pris pour acquis qu'il était niveau 6, mais non, pas du tout. C'est un puzzle avec un niveau 4, donc P4. Et donc là, si on voulait, on pourrait essayer d'ouvrir ce puzzle-là pour aller rouler sur la table des trésors qui nous donnerait des pièces d'or, etc. Pour l'instant, je vais laisser cette salle-là telle qu'elle. Je ne vais pas essayer de résoudre le puzzle. Laissez-moi savoir dans les commentaires, est-ce que je devrais revenir sur mes traces pour venir ouvrir justement ce puzzle box-là? Parce qu'un des trucs qui se distingue de D100 Dungeon, c'est que lorsqu'on aura tué le boss, il faut quand même revenir sur nos traces pour pouvoir sortir du donjon. Donc, c'est sûr qu'on va devoir repasser par là, ou du moins, on va pouvoir repasser par là. Maintenant, je peux faire une recherche ici, parce que c'est un corridor qui nous permet d'être recherché. Et comme on se rappelle ici, c'était écrit que si on roulait un 5, can search. Et donc, je pense qu'on va faire la même chose. On va rouler un search pour, encore une fois, essayer d'aller trouver un clou. Donc, on y va. On roule un D6. 4, malheureusement, si vous regardez 4, empty. Donc, on va mettre juste ici un symbole de search. Ça va? Donc, ce corridor-là, il a été recherché. Excellent. On continue donc. Voyons voir ce qu'on a ici. On roule un D66. 66, et donc, j'avais oublié de dire par où on allait passer, mais disons qu'on allait ici vers la droite, c'est pas tellement grave. On a cette pièce-là, ok? Je la dessine et je vous reviens. Donc voilà, j'ai terminé de dessiner la pièce, très rapide. Juste rapidement comme ça, moi des fois, lorsque je me sens un petit peu plus... comment je pourrais dire, risqué, j'aime mieux jouer avec plus de risques. Ce que j'aime faire parfois, c'est de ne pas rouler à l'avance mes portes. Donc ça, c'est un petit house rule que je fais. Et je vous rappelle vraiment là, quelque chose que j'insiste beaucoup sur ma chaîne là, puis que je veux inciter davantage. Quand on joue à des jeux solo, on joue pour s'amuser. Hein? Et il ne faut pas avoir peur, surtout dans des jeux narratifs comme ça, de faire des règles qui nous conviennent, qui font en sorte qu'on a envie de jouer, etc., qui nous ajoutent des petits défis supplémentaires ou qui, au contraire, réduisent la difficulté du jeu. Au final, on n'a rien à prouver à personne. On est là pour s'amuser. Et donc, un des trucs que j'aime faire, c'est par exemple, je vais rouler le lock ici. Ça va?
Donc, je roule le lock ici. C'est un 5. Donc, on se rappelle, c'est 1 et 2 pour que ce soit une porte barrée. Donc, la porte n'est pas barrée. Maintenant, ce qui devient intéressant, c'est quoi? C'est ce qu'on pourrait faire. Je ne le ferai pas là parce que, comme je vous ai dit, je vais vous montrer le jeu dans sa forme vanille. C'est de ne pas savoir qu'est-ce que ces portes-là sont. Est-ce qu'elles sont barrées, oui ou non? Qu'est-ce que cela me permet? Ça me permet, lorsque je fuis un monstre, de prendre une chance de tomber sur une porte barrée. Je trouve que ça l'ajoute à la narrative. Je trouve que ça l'ajoute à l'expérience. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aimeriez que dans les prochaines vidéos, j'utilise cette petite règle, ce petit règlement maison-là. Ce que ça veut dire, c'est que si je décide de flee, je dois dire, bon, ben, je vais passer par cette porte-là, par exemple. Et là, je viens par cette porte-là, je dois d'abord rouler un D6 pour savoir est-ce qu'elle est barrée. Si la porte est barrée, je prends un dégât et on recommence le tour de combat. Il faut donc que je choisisse une autre porte au prochain tour pour pouvoir m'enfuir. Donc, on est là. Il va falloir maintenant rouler nos 2D6. 2D6. On y va. 6, 7, 8, 9. Et donc, on a une pièce qui est vide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On roule un D6. Pour savoir, pour fouiller la pièce, on a roulé un 4. Malheureusement, il n'y a absolument rien dans cette pièce-là et on l'a recherché. Pour l'instant, comme je l'ai dit, on va voir est-ce que les pièces sont barrées ou non. On roule ici 4, ça, c'est pas barré. Et on roule ici 4, ça, ce n'est pas barré encore. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça serait intéressant d'aller au sud puis de commencer à retourner sur nos pas pour essayer de revenir ici, essayer de créer un chemin vers l'entrée du donjon ou bien de continuer plus loin dans le donjon. Je pense que ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais revenir créer un chemin pour l'entrée du donjon. Je vais arrêter la vidéo lorsqu'on sera rendu là et vous pourrez me dire ensuite qu'est-ce qu'on devrait faire pour la suite. Est-ce qu'on devrait passer par cette porte-là qui est débarrée, par ce corridor-là ou par ce corridor-là? Donc, on y va, on s'en vient ici. 1D66, donc je vais rerouler. On a 64, donc 64, on a la pièce qui est juste ici. Et là, comme je vous dis, on peut organiser l'orientation des pièces. Et vraiment, là, je l'ai dit, mais je ne l'ai dit pas assez. Ce jeu-là, ce que j'adore, c'est l'ouverture d'esprit des créateurs par rapport à, justement, c'est un jeu solo, on est là pour s'amuser. Et donc, on ne peut pas vraiment bafouer les règles parce que les règles sont juste là pour créer un cadre. Donc ici, on n'a pas d'orientation. Donc, on pourrait autant la partir de ce côté-là que vers le bas, etc. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je dessine la pièce. Donc, on a 1, 2, 3, 4. On descend de 4. 1, 2, 3, 4. Comme ça. Ensuite, on a une pièce qui s'ouvre de 1, comme ça. Et là, on aurait une porte juste à l'avant ici. Et donc, on espère que ça va mener au corridor du départ. Sinon, on pourrait dire que ce corridor-là, au final, c'est un cul-de-sac. Donc voilà, on a notre pièce 64. On roule notre nos 2D6 pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce-là. Donc, on a 6 plus 4. On a 10. If corridor, empty, otherwise, roll on weird monster's table. Ce n'est pas un corridor parce qu'ici, vous voyez, on a du 2 par 2. Donc, on a du 2 par 3, en fait. Mais donc, on n'est pas dans un corridor. On va donc faire un combat contre les weird monsters. Et donc, voilà, on a les weird monsters juste ici. Qu'est-ce contre quoi allons-nous nous attaquer? Donc voilà, j'ai oublié de le dire. Donc pour l'instant, on va prendre pour acquis que notre elfe a son arc. Voilà. Donc on y va. On a roulé un 1. Donc on va se battre contre un minotaure. Ça va? Donc le minotaure, on va se le mettre juste ici. Ça va? Ça, c'est le minotaure. Et il est de niveau 5. Quand même, pas banal. Il a 4 points de vie, donc... j'ai fait une erreur, là, je l'ai dessiné de ce côté-là. Allons le dessiner de ce côté-ci, comme ça. OK, puis imaginons que ça, c'est là, peu importe, c'est pas tellement grave. Donc, 4 points de vie, il a 2 attaques. Et si on le bat, on va avoir un trésor normal. Due to his power and his bull rush charge, the first defense roll against a minotaur is at minus 1. Donc, comme il est en furie, il attaque comme un...
comme un bull, les mots m'échappent, là, un taureau, merci. Un taureau. Donc, on va être à moins 1 sur nos dés de défense. Le Minotaure aime manger les halflings et donc les halflings ne peuvent pas utiliser leur chance dans un encounter contre les Minotaures. Leur chance, c'est une habileté qui leur permet d'agir en combat. Leur réaction, 1 à 2, on peut le briber, ça coûte 60 pièces d'or. 3 à 4, on se bat. 6, on se bat jusqu'à la mort. Donc, maintenant qu'on a ça, on y va. On n'aura pas le choix, il va falloir se battre. Peut-être qu'on va choisir de fuir, puis il y aura un Minotaure juste ici. Donc, on attaque en premier parce qu'on le prend par surprise. Et on va commencer avec notre elfe qui va tirer de son arc. Donc, l'elfe tire juste ici à plus 1. Donc, on y va. On roule un D6 plus 1. 2 plus 1, malheureusement, c'est pas assez pour toucher le Minotaure. Ça nous prend 5 et plus. Et donc, l'elfe, au prochain tour, va commencer à changer d'arme. On a Alden, le nain, qui roule. 3, 4, 5. On arrive à enlever une vie au Minotaure. Excellent. Ensuite, Vaya. Allez, Vaya. 5 plus 2, on est à 7. On enlève une autre vie au Minotaure. Et Bronn, 1 plus rien. Donc, malheureusement, puis de toute façon, je viens de me rappeler, les 1 sont toujours des échecs. Donc, il ne se passe absolument rien de la part de Bronn. Le Minotaure a perdu la moitié de ses points de vie. Et là, je vais vous montrer dans les règles juste ici. Lorsque un boss perd plus de la moitié de ses points de vie, son niveau drop de 1. Donc, plutôt que d'être un niveau 4, il est maintenant niveau 5 plutôt. Il est maintenant un niveau, et là, mon crayon, 4. Donc ça, c'est excellent. Et il faut qu'il fasse un roulé de morale. On roule un dé. Si on obtient 3 et moins, le boss s'enfuit. Si on roule 4 et mieux, le boss continue à combattre. Donc, 3 et moins, il s'enfuit. 4 et mieux, il combat. 4, il continue à combattre. Notre Minotaure va nous attaquer. Et je crois qu'on va sélectionner Vaya pour prendre les deux attaques. Donc, on va rouler 2 dés pour les deux défenses. Donc, le premier, on roule 5 plus 2, on est à 7. Le deuxième, on roule 2 plus 2, on est à 4, mais malheureusement, je vous rappelle, dans la défense, il faut absolument rouler supérieur à son niveau. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? On va perdre un point de vie. Donc, on est à 7. On est maintenant à 6. Nouveau tour de combat. On se rappelle, notre elfe Killian est en train de changer son arme, donc l'elfe ne peut pas attaquer ce tour-ci. Donc, notre nain, 2 plus 2, 4, on fait un dégât. Ensuite, Vaya, 5 plus 2, 7, et voilà, on a tué le Minotaure. Excellent! Donc, si on vient voir ici le Minotaure, si on revient à notre Weird Creature, le Minotaure va nous donner un trésor absolument normal. Donc, allons sur la table des trésors. Treasure Table, juste ici. Et là, on roule un D6. On a roulé 6. Donc, one random magic item from the magic treasure below. Wow! On vient de trouver un item magique du Minotaure. Excellent. On y va. On roule un D6. 6 encore. Fireball Staff allows its user to cast Fireball spell twice. Donc, on peut utiliser ce bâton de Fireball pour lancer Fireball deux fois. Then its powers are depleted. Après avoir utilisé ça, il n'y a plus de pouvoir dans ce staff-là. Seulement les wizards peuvent l'utiliser. Ah. Add the user's level to determine the spell roll as you would do for a fireball spell cast by that character. Donc, on ajouterait le niveau comme on le ferait en temps normal. Malheureusement, on n'a pas de wizard, mais on va quand même l'écrire pour le plaisir sur notre elfe. Donc, qu'on a un Fireball
staff. Et que donc, voilà, c'est bien, sauf que malheureusement, on peut pas vraiment l'utiliser parce que c'est seulement les wizards qui peuvent l'utiliser. Donc voilà, encore ici, on a un peu quelque chose, une zone grise par rapport à ça. Ça dit seulement les wizards, mais si on lit dans les spells, je vous montre ça à l'instant. Si on lit dans nos spells, faut juste que je les trouve. Dans nos spells ici, vous voyez, ça dit que all the other spells may be cast only by wizards and elves. Fait que vous voyez, on peut seulement lancer par les wizards et les elfes. Et là, si on vient voir justement Fireball, ça dit the spell works like an attack roll. The wizard adds. Mais ça dit pas les elfes ajoutent, ça dit seulement les wizards qui ajoutent. Donc là, il y a une zone grise. Est-ce que notre elfe peut utiliser le staff, oui ou non? Je vous laisse répondre dans les commentaires pour notre partie à nous qu'on tient ici sur la chaîne. Est-ce qu'on devrait permettre à notre elfe d'utiliser le Fireball Staff qui a deux utilisations, je vous rappelle, avant de ne plus servir à rien? Donc, voilà, petit récapitulatif de la partie. Vous voyez qu'est-ce qu'on a fait ici comme chemin. Il nous reste encore le sud ici à aller, la porte sud du Minotaure à aller explorer. On a ici la porte nord à aller explorer où on a les deux corridors, les deux couloirs ici, nord ou ouest. Donc, j'aimerais vous savoir dans les commentaires, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ma vidéo. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions que vous avez par rapport aux règles? Si j'ai fait des erreurs aussi à travers tout mon blabla, laissez-le-moi savoir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires où on devrait apporter nos équipes, notre équipe plutôt. Et laissez-moi savoir aussi toutes les questions que je vous ai posées. Comment est-ce qu'on devrait gérer chacune de ces questions-là? Donc, merci tout le monde.